Sportif, dynamique, conçu pour l'asphalte des circuits, le Mercedes AMG GT. Prendre le volant est toujours un plaisir, toujours accompagné de bonne musique. Mais le visuel de la radio ne fonctionne pas. Il ne s'allume pas non plus manuellement. Seule solution, afin de dépister le défaut, vous devez démonter le visuel. Par conséquent, éteignez le contact et déposez la clé en dehors du champ d'émission Keyless Go. Dans un premier temps, vous retirez l'habillage inférieur de la console médiane. Ensuite, dévissez les vis cachées derrière. Poursuivez en retirant l'habillage en dessous des buses d'air. Afin de protéger la console médiane contre les rayures, recouvrez-la d'un film protecteur. Vous pouvez désormais faire sortir la partie arrière de la console de ses encliquetages et débrancher le connecteur électrique. Basculez la console médiane sur le côté afin d'accéder aux autres connecteurs. Débranchez-les tous. La console médiane est ainsi démontée. Prochaine étape, le démontage des buses d'air centrales. Étant donné que vous avez déjà retiré l'habillage, vous pouvez directement débrancher le connecteur dans la gaine en mousse. Ensuite, retirez une vis à droite et une autre à gauche. Une fois fait, extrayez les bus d'air de leur logement et déposez-les. Il reste à démonter l'habillage de la planche de bord. Désenclenchez-le à l'aide d'une cale de plastique et débranchez le connecteur du capteur d'ensoleillement. Vous pouvez maintenant dévisser les vis du visuel audio commande. Ensuite, retirez la protection en plastique de l'écran. Faites sortir l'écran jusqu'à ce que vous puissiez accéder au connecteur de l'électronique et débranchez-les. Vous pouvez désormais retirer le visuel afin de faire contrôler les éventuels défauts de connexion ou de pixels. Le Mercedes AMG GT devra donc encore un peu patienter.